que vous êtes pour le mariage des prêtres entre eux? Oui, c'est la seule façon honnête d'emmener quelqu'un à l'hôtel. Et bon, on va voir ce qu'en pensent les gens dans la rue. Le Baffy Show! Excusez-moi, je comprends pas. Je vois pas pourquoi ils peuvent l'être, les juifs le sont, les protestants le sont. Je vois pas pourquoi qu'on priverait un homme du désir d'aimer, de la chair et autre chose qui peuvent approfondir le désir de vivre à deux et en communion, quoi. Donc vous êtes pour le mariage des prêtres entre eux? Bien sûr, entre eux. Le mariage des prêtres entre eux? Non, alors là, non. Non. C'est pas beau. Vous pensez qu'il est mieux qu'il continue de se cacher? Que les prêtres se fâchent? Se cachent, cachent leur amour. Moi, je préfère, oui. Si, je connaissais un prêtre qui était un peu plus rapproché que les autres, mais j'avais quoi? J'avais 10-12 ans. Vous êtes fait tripoter un petit peu par un prêtre? Les mains, ouais. Ouais, mais bon, c'est... On est... Ouais, quoi que... Ouais, mais non, mais c'est contradictoire la vocation, à mon avis. Vous avez pensé au mariage à cette époque? Avec lui? Ah non. Qui est amoureux un peu, non? Non, c'était comme un père, je sais pas, c'est marrant. Mais non. Un père un petit peu incestueux. Non, type... Je suis pour aucun mariage, quel qu'il soit. Pourquoi? Bah, parce que arrêtez-vous. Faut vivre libre, je pense, et j'ai pas de... Donc vous êtes pour l'union libre en ce qui concerne les prêtres? Bah oui, chacun fait ce qui lui plaît. Et lorsqu'ils s'aiment? Oh, écoutez, faut pas me raconter des histoires, moi je suis pas homosexuel. Comment? Le mariage des prêtres entre eux? Homme et homme? Oh non, non. Un monseigneur qui en pince pour un autre monseigneur? Non, 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 pas du tout. Vous-même, vous avez déjà eu une relation sexuelle avec un prêtre? Et les sœurs entre elles? Ah, pareil. Pareil, pareil. Bah, et oui. les curés et les sœurs? Bah, c'est, je sais pas, ça. Ça doit se faire, sûrement, comme dans tout, mais... Et les curés et les bergers allemands? Oh! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.